Alors que voilà Unchained, le joueur français totalement déchaîné. Sur la télé. Aujourd'hui, on va réagir au pire fail des joueurs pro au foot. On commence lourd avec Benzema. Ok, le goal. Oh, oh. Mais non. Oh. Attends. Mais... Là, t'es à sa place, mon gars. Au début, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était Benzema qui allait faire une gourde. C'est pas possible. Benzema, il fait pas de gourde, les gars. Sur la dernière vidéo, j'avais dit que... Désolé, les refs. FIFA 2023 sert autant à rien que l'iPhone 14. Bon, j'ai décidé de prendre sur moi-même. La Coupe du Monde au Qatar arrive, les amis. Let's go se taper des barres. Chèvre de luxe. Pourquoi? Oh. Ah. Oh. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que je viens de voir? Ok, donc en fait la gueule loupe la balle, les deux personnes loupent la balle pour que finalement... Non mais j'avais dit aussi dans ma dernière vidéo que... La meilleure note de FIFA 23 qui sort officiellement le 30 septembre, c'est Alexia Putellas, attaquante du FC Barcelone et ballon d'or féminin en 2021. Il y a un problème, je vais pas en parler ici, mais il y a un problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, oh ça tire, qu'est-ce qui se passe? Le gueule arrête la balle. Mais non! Pas dans sa gueule, but! En plus, elle met KO, il est au sol! Attends, mais je croyais que ça c'était une pub, mais c'est vraiment arrivé dans la vraie vie, mon gars. Dzeko! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh non! Mais qu'est-ce qu'il a de... Mais non, mais quoi? Non, mais comment t'es pro, tu loupes ça? Oh my god! Ah, mais lui, il est content, hein! Putain! Explication d'un tir sur la lune, quoi? Ok. Ouais, ouais, ouais. Oh, pas mal, pas mal. Mais là, il va marquer, il va pas faire comme l'autre. Ils sont payés comment les joueurs de foot déjà? J'ai envie de zoomer sur son pied et pour voir ce qui s'est passé. En plus la passe elle était trop bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec son pied? Qu'est-ce qu'il a fait? Fille qui joue. Ok. Non vas-y, ça se fait pas. Hé, hey, celui qui m'a fait le best-of des clips, tu veux que j'ai des problèmes? Mais putain. Gardien de but qui fail. Ok, et on va. Et pourquoi il vient là lui? Il y en a deux. Et en fait il lui dit de partir. Ok. Pour que finalement, eh bien il marque où il y avait... Non... Non... Là, il avait besoin de quelqu'un qui vient sur son côté pour que finalement il dise non, vas-y en fait, pars. Et du coup, la personne ben marque sur le côté, quoi. C'est triste. Est-ce que vous connaissez Harry Kane? Dieu du foot. Si je te dis qu'on va avoir des fails de lui. Ok, coup franc. Oh, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Harry Kane? Oh non, dommage. Ah, oh, dommage. Non, mais c'était compliqué quand même. Ok, c'était un fail, mais l'angle était complexe. Ouais, non, non, il a merdé. Oh, l'entraîneur! Quoi? L'entraîneur! Mais non. Non, mais là, il quitte. Il quitte tout, là. Oui, il est rentré sur le terrain. Mais... Oh! Il s'en est battu les couilles. PSG, meilleure équipe de Ligue 1. Vas-y, on va voir ça. Oh, mais non, mais... Oh. Wesh! Mec, c'est trop pour mon petit cerveau. Non, mais là, c'est l'Olympique Lyonnais le problème. C'est pas PSG. Parce que, en fait, c'est l'Olympique Lyonnais qui vient de marquer le but là. Oh my god. En fait, il l'a tiré dans les pieds et bam, quoi. Il pouvait rien faire. Alors, quand les matchs sont bidons, parce que ça arrive, les amis, regardez ce qui se passe. Le goal qui tire la balle hyper haut, ça rebondit derrière. Mais non. Alors, j'appellerais pas ça du bidon, mais il faut m'expliquer qu'est-ce qu'il a fait le goal, genre. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi là? Pourquoi là il se jette? T'as cru que tes bras ils faisaient 10 mètres? Frérot, frérot. Un goal qui connaît pas les règles du jeu. Oh putain, c'est grave ça. C'est grave de ouf. Bah oui, mais non, mais là il vient de prendre le ballon dans sa main alors qu'il est pas dans le carré, c'est une blague. Le reste des humains, ça arrive. Ultra instinct. Oh, oh! Wouah! Oh, ah ouais, incroyable. Incroyable, ça le rebondit dans le dos. Et ensuite après, il arrête deux fois après. Le football, c'est trop fair play? Je crois pas. Oh, il a fait semblant de tomber. Oh, il a fait semblant de tomber. Pour marquer un penalty. Le penalty a été accordé. Et il marque le but. Waouh, ben ça c'est le foot. Ça fait partie du foot, hein. Hashtag Neymar, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est les footeux apprennent à faire semblant de tomber et se faire mal. Le mec, il se trompe de bouton à FIFA. Vas-y. Ok, les premiers là, le goal. Ah ouais, ben là, let's go. Qu'est-ce qu'il va faire comme bouton? Non. Alors, comment on pourrait expliquer ça? C'est l'excitation peut-être, l'augmentation de l'adrénaline. Il est en mode, j'ai déjà marqué, du coup il est plus concentré. Parce qu'on en voit beaucoup. Le mec est trop nul pour être sur le terrain. Oh, dommage.
Attends, mais non, il a touché la balle. Il a peut-être pas fait exprès. Non. Donc ça veut dire qu'une personne qui est hors du terrain s'est pris un carton jaune. Quoi ? Et en plus, un pénalty. Je viens d'apprendre quelque chose, les amis. Ok, le vrai Ronaldo. Ouais. Vas-y. Oh ! Bien joué. Non, il vient de se casser les genoux. Attends, quoi, il s'est... Non. Attends, il s'est cassé les genoux en faisant su. La bière et la pizza, non, c'est trop mon gars. Y'a que Ronaldo qui fait su. Si ! Pogba, dans le karma, te fait un petit rappel. On va faire la petite technique. Bah ! Waouh, waouh, la chance. Waouh, que ça rebondisse dans ses pieds. Bien joué au goal. Bien joué à Pogba. Quand tu as toujours rêvé de mettre un but en lucarne. Vas-y, on va voir. Attends, mais il tire tellement haut. Mais... C'était énervé, mais un pouce bleu. Lâche ton énervement sur le pouce bleu, ok? Quand tu te rends compte juste avant le match que t'as pas de ballon. Quoi? Pourquoi un hélicoptère? Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas volé le ballon? Ah, bah oui. Non, il faut bien un ballon, quoi. Un hélicoptère qui donne un ballon. C'est écologique. Non, mais écoutez, à chaque ballon, il y a un hélico qui arrive, mon gars. Allez, frère. Focus. Pas chassé, pas chassé. Oh, putain. Oh, il vient de loin. Bien joué le goal. Bien joué. En plein dans la main du goal. Je faisais exactement la même chose. Pour moi, les cages, elles étaient tellement grandes et vides que naturellement, je voulais viser le goal. Pour ça, j'ai arrêté le foot très jeune, d'ailleurs. J'avais un problème. Ok. Ok, bien joué. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais, frère! Mais quoi? Ok. Attention, les bagarres, c'est le rugby. J'ai allé à un seul match de rugby de ma vie, frérot. Baston général, c'était un bordel. Oh! Oh non, dommage. Ouais, ouais. Non, non. Ah, oh, c'est trop, frère, c'est trop. Le ballon, il a fait tomber. Et là, il fait caca. Vas-y, c'est trop pour moi, les gars. Non, mais c'est trop. Je m'en rends pas compte, mais là, je viens de faire une vidéo sur le foot. Non, mais c'est exceptionnel. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Et à part regarder la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde, les gars, c'est qui le meilleur joueur du monde? C'est Ronaldo ou Messi? Non, mais à un moment, il faut choisir les refs. Bref, on se trouve à la prochaine, les amis, pour une prochaine vidéo. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ma gueule. Geek comme un porc. Et je t'invite juste à cliquer ici si tu veux voir une autre masterclass. C'était une chaîne. Ciao, bye. See you.